Et salut à tous et à toutes, c'est Psycho Darksider. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une petite partie de Black Ops 2. Hein. Alors, j'ai plusieurs annonces à vous faire. Cette vidéo sera d'abord très courte. Alors, avant de commencer, je vais d'abord vous faire un petit point sur le gameplay qui va être sous vos yeux. Donc, c'est un gameplay au DSR sur Black Ops 2 où j'ai pas fait une partie vraiment exceptionnelle, on va dire, au niveau du score. Mais vous allez pouvoir voir que je me suis pris un énorme fail en fait à un moment. J'ai loupé une quad feed de très peu et là franchement j'étais dégoûté. Donc voilà, ça c'est pour le gameplay. Alors la première annonce que j'ai à vous faire mes amis, bah, c'est pour commencer. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous le savez. J'ai enfin reçu mon game capture. Donc maintenant je vais pouvoir avoir la liberté en fait de faire mes vidéos tranquillement. Donc ça c'est quelque chose qui m'arrange beaucoup. Faire un point sur ce game capture, il s'agit du LGP Lite de chez Avermedia. Donc j'en ai eu pour 100 euros, non combien? 108 euros à peu près. À savoir que le boîtier lui tout seul coûte, si je dis pas de bêtises, 89 euros. Mais étant donné que je suis sur PS3, en fait ce game capture là n'est pas compatible avec la PS3. Donc on est obligé en fait d'utiliser ce qu'on appelle un splitter pour pouvoir le brancher. En fait, un splitter, qu'est-ce que c'est? On va dire que c'est simplement un petit boîtier qui permet de détourner des branchements. Donc voilà, j'ai dû avoir recours à ça. Donc ça, c'était la nouvelle la plus importante. Ensuite, deuxième chose, qu'est-ce qui va arriver sur ma chaîne? Eh bien, ce qui va arriver sur ma chaîne, déjà, c'est pour commencer un let's play sur un jeu dont je ne vous dirai ni le titre, ni rien d'autre en fait. Je vous dirai simplement que c'est un jeu d'aventure et je pense que dans l'une de mes prochaines vidéos, je vous ferai en fait un condensé de jeu en montrant peut-être un truc du style la bande-annonce ou quelque chose comme ça. Et en vous montrant un peu la jouabilité, le style de gameplay que ça peut être. Et ensuite, je commencerai par faire le premier épisode. Ensuite, j'ai pensé aussi également à faire venir, ou du moins essayer de faire venir sur ma chaîne, un montage de tous mes clips sniper, sachant que pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Et le but, en fait, bah, c'est simplement de vous présenter un peu mes meilleurs clips. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit, j'en ai pas beaucoup et c'est pas du tout facile à rentrer. Je pense que les feeders savent. Hein. Et voilà, donc il faudra que j'essaie de m'appliquer pour ça. Je vais essayer de le faire. Ça, c'est pas encore sûr. Vous pouvez le mettre entre parenthèses. Tiens, bah d'ailleurs, un petit point sur le gameplay. Regardez, c'est là que j'ai fait ma quad et là, j'étais vraiment énervé, je peux vous le dire. Lui, avec son SVEA, il m'a bien fait rager. Ensuite, sur ma chaîne, ce qui pourrait arriver, ce serait peut-être une aventure en fait sur Minecraft, mais ça, c'est pas du tout sûr non plus, sachant qu'en fait là, je veux trouver quelqu'un avec qui le faire, même si j'ai déjà ma petite idée. Donc, bah, Hiro, dédicace à toi, hein, je pense que tu auras compris ce que je veux dire par là. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait arriver sur ma chaîne? Bah évidemment d'autres vidéos de Call of Duty et également la suite des interviews que j'ai commencé. D'ailleurs un petit point là-dessus, si vous voulez participer à ce concept les gars, je vous le dis, il n'y a aucun souci, je suis ouvert à tout. Je mettrai ma page Facebook dans la description, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez participer. J'essaierai de répondre et de voir ce que je peux faire en fait. Donc voilà, bah, je pense avoir à peu près fait le tour. Hein. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, à la commenter pour donner vos avis et à vous abonner si vous voulez me suivre dans cette nouvelle aventure sur YouTube qui commence pour moi bah, dès aujourd'hui, on va dire. Et j'espère rassembler un maximum de monde dans cette aventure. Donc au passage, j'en passe une pour Hiro, j'en passe une pour Absolutie Girl également, qui est une amie à moi qui fait des vidéos, des let's play sur Pokémon. Et également à MPayday, tu te reconnaîtras. Et également à Max Elite et à toute ma team, Wall, etc. Donc bah voilà, je vais vous laisser sur ce les gens. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!